ne vole pas tous les chats. Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille. Aéroline! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorceline. Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à... Mais il a encore le pouvoir de faire ça. Oh, et moi, je suis assez fort pour faire ça. Le glu méga muscle. La lune est bien à sa place maintenant. Et en plus, sans ces pierres, l'aimant lune sera trop faible pour la décrocher de nouveau. Quoi? Cette pierre n'a rien à faire là. Glu glu méga muscle. Waouh. Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort. Oui. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais. C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Gluglu. Et ça a fait sortir toute la superpuissance qui est en toi. Tu as raison. Un papillon. Il a dû échapper à Sorceline. Il faut le faire venir avec nous. Hé, hey, joli papillon. Tu veux voler avec moi? Tu viens, on te ramène à la maison. Oh, tu as de très belles couleurs, petit papillon. Laquelle tu préfères sur moi? Celle-là ou celle-là? On va y passer la nuit. Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido. Hey, où est passé le baby? Je te tiens. Quoi? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte. Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui. Et il y en a d'autres à attraper. Regardez. Oh. D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce. Timsy, c'est par ici. Ouais, venez. Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel? Yo-yo rapido! 1, 2 et 3! Ouais! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper! Wow! Yo-yo, vas-y gentiment. Tu fais du mal à ces pauvres papillons. Mais je fais ça pour les aider. La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres. Et là-haut, il y a ces papis nuits. C'est ça, volez et partez. De toute façon, je n'ai plus besoin de vous. Allez, les pyjamasques, à l'attaque! Vous n'avez pas été à la hauteur, misérable papinu. Il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer, les papillons. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'irez nulle part, joli papillon. Pas si vite, Sorceline! Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre aux eaux. Bon, d'accord, les papinuits. Mais c'est votre dernière chance. Débarrassez-moi de ces pyjaminus. Tu rigoles, je pourrais te battre les doigts dans le nez. C'est ce qu'on va voir. Viens pas pleurer quand j'aurai gagné. Hé, ça suffit, n'oubliez pas ce qui compte. C'est d'arrêter Sorceline. Arrêtez le camouflage. Mais qui me chatouille comme ça? Stop! Arrête! On sifflait! Oh! Je lui ai fait lâcher le sifflet, j'ai gagné! Mais je l'ai attrapé, donc j'ai gagné! Non, c'est moi qui ai gagné, les super zéros! Vous ne nous arrêterez pas, mes papines, lui et moi! Aérolune! De leur tendre un piège devant le magasin de jouets et d'attendre leur retour. Celui qui utilise la technique de super-héros la plus cool pour arriver en bas a gagné. Quoi? Encore une compétition? Nous, on en a marre. Oh, allez! Vous avez peur de perdre ou quoi? Qui ça? Moi? Non. Mais Gluglu, il a peur. Hé! Non, j'ai pas peur. J'ai des méga pouvoirs de super-héros. Meilleurs que les miens, tu crois? J'ai mes chances et on va vérifier tout de suite. Parlez tant que vous voulez. Moi, je fonce et je serai la championne. Prêt? Prêt. Que le meilleur super-héros gagne! Regardez un peu ma super technique de vol! Pas mal, mais regardez ce que je vais faire avec mes glu-glu mains collantes! Oh, de toute façon, c'est moi le meilleur avec mon yo-yo acrobasso!
pas juste. Nananana. Oh. Il est temps que je leur montre comment Yo-Yo fait le boulot. Yo-Yo, rapido. Glu-glu, méga muscle. Hé, hey, ça non plus, c'est pas juste. Yo-Yo, acrobato. Et voilà le travail. Un robot chat. Il marche grâce à mon super ordinateur. Non, pas trois robots. Robot chat, attrape-moi ce vulgaire sac à puce. Wow, c'est catastrophique. Personne ne peut plus rien contre moi. Oh. Greg et Amaya à la rescousse. Quoi? Oh, mon précieux robot. Mais comment êtes-vous sorti de votre cage, les pyjaminus? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux. C'est vous qui êtes incroyable, même sans vos super pouvoirs. Merci. Y a pas de quoi. Vous aviez raison, j'aurais dû vous laisser m'aider. Attrapez-le. C'est l'heure d'être un héros et d'accepter votre aide cette fois. Yo-Yo, rapido. Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non? Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-Glu! Les pyjamas! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo. Si on le détruit, ça désactivera les robots. Tu as raison, Bibou. Hein? Va aider les autres, Robo-chat! Non! Ah! Oh! Où est le vrai Glu-Glu et la vraie Bibou? C'est moi, la vraie Bibou. C'est moi, le vrai Glu-Glu. C'est moi. Non, c'est moi. T'es bien avancé maintenant, Yo-Yo. Tu ne sais plus qui est qui. Il y a un pouvoir que tes robots n'ont pas. C'est celui de l'amitié. Bibou, Glu-Glu, à vous. Oui, roue acrobatique. Turbo tourbillon. Tu vois, Roméo, je sais qui sont mes amis. Prêt pour notre enchaînement. Ah. Attrape-les! Faisons de la pâté pour chat! Voler, c'est mon pouvoir! Je sais comment m'en servir! J'aurais arrêté Roméo si vous m'aviez laissé faire! Utilisez vos pouvoirs à vous! Mais avec des pouvoirs doublés, on pourra le battre en deux fois moins de temps! Oui, et puis voler, c'est vraiment marrant. C'est la première fois qu'on a la chance d'essayer. Hé, hey, vous allez me courir après ou quoi? Oh! Allez, les pyjamasques, on va trouver Roméo. Moi, je le cherche dans les airs et vous depuis la terre. Mais en hauteur, on a une bien meilleure vue. Et puis, c'est beaucoup plus rigolo. Oui. Impossible de repérer Roméo. Tu te sers de l'hibou vision? Oui, mais je l'appelle chat vision. Tu as aussi mon pouvoir d'hibou vision? Attends, je peux essayer. Reculons vision. Oh, je vois Roméo. Ah non, ça y est, je le vois. Non plus. Le voilà. Oups. Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta hibou vision? Ah! Et je viens de faire une roulade arrière. Je crois que je vois Roméo de ce côté. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ça va? Oui, mais je suis coincée. Les garçons, vite, ils s'enfuient. Encore un effort, on va te sortir de là. Voilà. Venez, attrapons-le. Voler, c'est ma spécialité. Pourquoi vous ne vous posez pas? Parce que voler, c'est trop bien. Et puis, si on vole tous, on attrapera Roméo plus vite. Tu peux peut-être nous montrer quelques trucs, comme s'arrêter ou faire un looping. D'accord, essayez de me suivre. Par mes écailles, elle est rapide. Ça, c'est vrai. Allons-y. Les super zéros, on n'attend plus que vous. Ces pouvoirs de hibou sont plutôt chouettes. Mais quand j'aurai récupéré les autres pouvoirs des pyjamasques, rien ne pourra plus m'arrêter. Yo-Yo, rapido! Allez, on s'active les papis nuits. On n'a pas tout ça, hein? Qu'est-ce que... Quoi? Hey!
l'issue, Sorceline. Tu ne peux plus t'échapper. C'est ça, dans vos rêves. Aérolune. Sorceline et ses papy nuits se sont échappés. Ils ont laissé tous les objets. Tous, sauf mon hibou du partage. Elle l'a embarqué. On n'a qu'à dire que tu lui as donné. Ben voyons, ça aurait été trop simple. Wow, regardez ce bric-à-brac. On dirait que Sorceline n'en veut plus en fin de compte. Si elle n'en veut plus, moi je veux bien le garder, ce chat. On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école. Oui, tout le monde sera content, fin de l'histoire. Tout le monde sauf moi. Mon hibou du partage n'est pas dans le tas, mais j'ai bien l'intention de le récupérer. On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici. Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue. Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser? Jamais de la vie, Sorceline me l'a volée. Elle ne mérite pas de la garder. Bon d'accord, toi tu t'arranges pour qu'elle sorte. De mon côté, j'essaye de trouver un moyen pour entrer. Hé, Sorceline! Vous me dérangez, j'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune. C'est une statue de hibou d'abord, et tu me l'as volée en plus. Non, tu me l'as donnée, tu te rappelles pas? N'importe quoi, elle est à moi. Oh, peut-être, mais c'est plus mon style. Du coup, c'est moi qui vais la garder, alors dis qu'elle est à moi. Allez, dis-le! Bon, par ici, glu glu, méga nus, c'est parti! Oh, mille reptiles, qu'est-ce que... Les amis, c'est l'heure d'être un vrai héros! Yo-yo, rapido! J'arrive, les pyjamas! Plus rapide que l'éclair, wow! L'incroyable yo-yo court sous les nuages, wow! Il les oblige tous à le suivre! Wow! Attends, qu'est-ce que tu fais? Voulu me mouiller, Sorceline. C'est à ton tour. Ah, oh, je suis trempée. Wow. Ah. Wow. Rejoindre la terre ferme.
crois qu'il est temps pour cet engin de se perdre dans l'espace à tout jamais. Bibou, Gluglu et moi on s'occupe du Papy Nuit. Et toi tu ne quittes pas Sorceline d'une semaine. Par ici les Papy Nuit. Je parie que vous n'arriverez pas à m'attraper. Gluglu reptile au camouflage. À mon tour, yo-yo rapido. Bibou, attrape le micro maintenant. Bibou Tornado. Attention Sorceline, ça va décoiffer. Ah, écartez-vous de mon chemin, bande de maudits Papy Nuit. Merci Bibou, si seulement j'avais pas cassé le micro sans faire exprès. Attendez, il y a un bouton. Peut-être qu'il s'est simplement éteint quand je l'ai laissé tomber. Hey-oh. Ouais, il remarche. Hé hey, Sorceline, tu veux entendre ce que c'est qu'un vrai concert? Les Papy Nuit, récupérez-moi ce micro. Voilà, il est temps de remettre ce micro à sa place. Cool, caméléon. Le concert de Jimmy ne va pas être annulé, finalement. Pyjamas, on crie hurra. C'est des nuits, on a malgré les tracas. Bibou Tornado. C'est moi qui vais te voler dans les plumes. Maintenant que mon train supersonique est réparé, ça va décoiffer. Qu'est-ce qui se passe, vieille chouette? T'as le tournis? Encore? Non, d'un hibou déprimé. Je peux pas m'arrêter, je vais tomber. Yo-yo, acrobation. Glu-glu, méga muscle. On n'est pas passé loin. Mais on fait quoi pour les machines de Roméo? Il les a toutes réparées. Ouais, elle marche à 100%. Et avec ma télécommande, je contrôle tout. Mon labogan va tout geler, mon robot va diffuser des gaz puants. Et si vous essayez de l'arrêter, il vous fera passer au ralenti. Et pendant que vous vous occupez de ça, je vais faire joujou avec mon train. Toutou les pyjaminus. Dommage, on aurait dû essayer notre nouvelle technique. Je sais, t'avais raison Yo-Yo, j'osais pas la faire de peur de pas y arriver. Mais on t'aurait aidé. J'étais tellement gênée. Tu sais quoi? Je ne suis pas sûre que j'aurais compris à ta place. C'est vrai qu'avec tous ces traits, on s'en mêle les pinceaux. C'est pour ça qu'il faut qu'on ajoute un signal. Ça. Hein? Quand on est en position, on se donne le signal. Et après, tu fais ta roue. J'aurais dû vous dire la vérité. Roméo n'aurait pas fait le poids face à ça. Il n'est pas trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. C'est parti, à l'attaque. C'est l'heure d'être des vrais héros. Super train, détruis tout! Roméoville, tu vas bientôt naître! En avant! Hé, Roméo! Tu ne sers plus à rien, le pyjaminet! La terre m'appartient! Par ici, Roméo! Tête de tétard! Ce serait plus facile si vous arriviez tous à la fois! Je ne serais pas obligée de me répéter! Tu ne sers plus à rien, toi! Qu'est-ce que vous avez à gesticuler? Aéro-roue! Juste à temps! Wow! On est arrivés tous en même temps! Glu-glu, méga muscle! Attends, je vais te faire descendre! Restez en arrière! Merci, Glu-glu! Ninja K n'a pas dit son dernier mot! Cette fois-ci, je vais accomplir mon plus grand exploit en tant que héros! Oui, ça va être génial! Mais Yo-Yo! Attendez, j'ai une idée. Oh, je me rappelle plus. Toi, t'as une idée.
Non, non, c'est pas à vous de trouver des plans diaboliques. C'est à moi. Silence maintenant. On t'a retrouvé, Ninjaka. C'est quoi ton plan, hein? Raconte. Une petite seconde. C'est pas toujours facile pour un méchant de se renouveler. Circulez, y'a rien à voir, il est à court d'idées. Mais du coup, je ne peux pas me surpasser en tant que héros. Mais Yu-Yu, on a gagné, il abandonne. Je sais, c'est juste que s'il ne fait pas des trucs vraiment méchants, comment je peux faire des trucs super? Finalement, comme méchant, Ninjaka ne vaut pas grand-chose. Quoi? Ok, les ninjas zouaves, donnez-moi votre idée, tout de suite. Pourquoi t'as dit ça? T'inquiète pas, de toute façon, je suis plus fort que lui. Merci de m'avoir aidé à retrouver la mémoire, c'est exactement ce que je pensais faire. Touché, c'est toi le chat. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Rattrapons-le, ça va être mon heure de gloire, les pyjamasques. Suivez-moi. Je vais leur voler dans les plumes quand je les aurai trouvées. Là! Chabolide, cache-toi! Pile quand j'ai besoin de vous. Tiens, mettez-vous derrière ces deux arbres et tendez-la bien, au ras du sol. Si on veut arrêter Roméo, on doit d'abord arrêter son robot. Et maintenant, Bibou? Maintenant, l'extraordinaire Bibou va utiliser ses propres super pouvoirs. D'abord, Bibou, aile de la nuit. Puis, Hibou, vision. Youhou! Regarde, Roméo, tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré. Quoi? Attrape-le, robot! Tu croyais que ça allait être aussi facile? Donne-moi le livre. Arrête. Viens le chercher. Arrête de bouger. Reste immobile une petite seconde. Vas-y, robot, attrape-la. C'est toi le chat. Non, robot, attends, stop. Oh. Hourra! Finalement, ton livre de Zoé Zap aura servi à quelque chose. Debout, t'as de ferraille. Aïe. Merci, maître. Je me sens beaucoup mieux. Quoi? Mais c'est pas Bibou, ton maître. C'est moi. Bibou est un génie. Par mes oreilles de chat. On dirait qu'en tombant, ton robot est tombé sous le charme de Bibou. Ouais. Bravo, robot. Maintenant, attrape ce méchant et suis-nous. Laisse-moi descendre. C'était pas facile. Enfin, j'ai mon propulseur. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Bon, par quoi je commence? Mon rouleau à mort, vous? Les crabouilles d'oie? Oh non, comme prévu, je vais utiliser le Vapoprout. Je suis vraiment le meilleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, hey, j'ai une idée. Hein? T'es sérieux, Yo-Yo? Tu veux vraiment remettre ça avec le bulldozer sauteur? Non, je sais que Glu-Glu s'en sert mieux que moi. Et comme c'est l'heure d'être un vrai héros, je lui laisse ma place. Cool, caméléon! Saute, Yo-Yo! On va y aller ensemble! C'est parti! Et maintenant, il faut que je trouve la bonne cheminée à empester. Vas-y, Yo-Yo! Hé, mais lâche-moi!
tranquille, plus fort. Pas possible d'être tranquille avec vous, les pyjamasques. Sautez, Super Ninja Zouave. On va t'aider, Glu-Glu. Ça va, je suis super fort. Glu-Glu. Au concours de force, c'est 1 pour nous, les ninjas. Contre 0 pour vous, les super 0. T'inquiète pas, Glu-Glu, on s'en occupe. Non, c'est bon, je vais gérer. Tu cherches un adversaire à ta hauteur, Ninjaka? Eh ben, me voilà. Tu rigoles ou quoi? Je n'ai qu'à lever le petit doigt pour te battre. Démonstration, Super Ninja Zouave, attrapez-le. Un nouvel accessoire pour s'entraîner. Oh oh, laissez-moi. Descends. Bien joué, les ninjas Zouaves. Vous êtes de plus en plus forts. Bientôt, vous serez les meilleurs du monde. Yo-yo, méga bon. L'incroyable yo-yo a réussi à attraper l'horrible queue du monstrueux dinosaure. Tu peux toujours t'accrocher, sac à puce, je vais te faire lâcher. Oh, je ferais mieux de l'aider. Bibou, aide de la nuit. On a battu Roméo que je vais oublier que tu m'as fait peur. Non, mais je t'ai dit que j'étais désolée. Et puis, c'était pas si terrible. Carrément que si. D'accord, mais on pourrait faire la paix, non? Je suis désolée, non. Bibou, attends! S'il te plaît! Oh! Yo-yo, c'est pas facile à piloter! Je m'en fiche, je dois rattraper Bibou et faire la paix avec elle. C'est l'aimant lune de Sorceline. Il est trop puissant. J'ai trouvé. On va tous travailler en équipe. Glu-Glu, tu te sers de tes méga muscles. Yo-Yo, de ton yo-yo rapido. Et moi, je vais utiliser mon Bibou tornado. Ce ballon lune, Glu-Glu méga muscle. Vous êtes prêts, mes coéquipiers? Ça va rouler. Ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Non, non, non. Ouais. Youh! Ouais, on a réussi. Ouais, super. Mon ballon lune. Non, d'un hibou déplumé, on a assuré. À part que les jouets sont éparpillés. Il faut qu'on les ramasse tous et qu'on les remette où ils étaient. Hein? Non, mes jouets! Ils sont à moi! À moi! À moi! À moi! Stop! C'est pas juste! Vous me reprenez tout ce que j'avais volé! En plus d'éclater mon ballon lune! Tiens, on te donne notre ballon à nous
plus, il est tout petit. Mais c'est vrai que c'est plutôt marrant. Je laisse ça là pour elle. Allez, venez, on va remettre tout ça à sa place. Pyja masque, on chuchote, hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hé, hey, moi je pourrais attraper Roméo avec mes glu-glu pieds collants. Pas la peine, glu-glu. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben, mon idée attendra alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Gluglu et moi. Hibou vision. Je l'ai repéré. Wouhou. On y va, Gluglu. Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus. Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes. Yo-yo, un gros vaisseau. Ça devait être le vent. Aussi agile qu'une panthère, Yo-Yo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow! Grâce à son... Wow! Yo-Yo ne s'avoue jamais vaincu. Bon alors, t'en as mis du temps. Alors, Minet Minet, tu veux jouer à un chat glacé avec moi? C'est toi le chat! Oh Fais attention, Yo-Yo! Oh, oh. Je suis frigorifiée! Je ne peux plus bouger! Sors-moi de ce glaçon, Roméo! Bibou, je crois que j'ai la solution contre Roméo. Regarde! Pas maintenant, Gluglu, reviens ici! Yo-Yo, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous occupez pas de moi, Roméo s'enfuit. Vite, rattrapez-le. Oreille de chat. C'est par ici. Là, je vois le labo de Roméo. Et regarde, c'est la machine qui t'a pris ta voix, Gluglu. On va faire discrètement le tour par derrière. Bien joué! Roméo nous a même pas vu arriver! Ha ha! Hé, alors toi, t'es un beau gosse! Faut sauter sur l'occasion! Utilise tes gluglu mains collantes pour dévaler l'immeuble et monter à bord du labo! À ce rythme-là, notre mission va être vite pliée! Allez, attrape la boîte, gluglu! Récupère ta voix! Vas-y! Hein? Ah, encore ces pyjaminus! Tenez, vous pouvez toujours vous accrocher. Gluglu. Ouf, tu n'as rien. Mais pourquoi tu n'as pas attrapé la boîte? T'avais qu'un geste à faire. Ça ne fait rien, on l'aura la prochaine fois. Je me demande pourquoi Roméo a pris ta voix d'ailleurs. Pyjama. Oh, Gluglu, tu as trouvé ta voix. Yo-Yo, Sacapuce et Bibou Cervelle d'Oiseau, vous êtes deux idiots. Hey. C'est pas très gentil ça. Tu es mon héros, Roméo. Oh non, Gluglu n'a pas retrouvé sa voix. Roméo l'a toujours et il s'en sert pour dire du mal. Oh, chat bolide. Je parie que vous n'arriverez pas à m'attraper. Tellement vous êtes bon à rien, bande de super idiots. Vous ne faites pas le poids deux secondes face à un génie comme Roméo. C'est lui le boss. Oui, le boss. Pas un pauvre tétard comme moi avec ses cuisses de grenouille et ses doigts gluants en toupillon. Je reste zen et je passe à la vitesse supérieure. Yo-Yo, rapido! Yo-Yo garde son calme et suit son plan pour sauver ses amis. Pas de panique, Yo-Yo est aux commandes. Et il est cool et relax, comme Maître Fang. Yo-Yo, rapido! Terminus, tout le monde descend. Wow, Yo-Yo t'as assuré. Merci de nous
après vous tout à l'heure. J'ai vraiment pas été sympa. C'est pas grave. Le vrai Yo-Yo est de retour. Merci les amis. Au fait, j'ai une idée. Peut-être que si Ninjaka et ses ninjas zouaves s'énervent, eux aussi feront des bêtises. Allez, les pyjamas! J'ai l'honneur de vous présenter la meilleure émission de kung-fu de l'histoire de la télé. Vous n'allez pas en croire. C'est cool, fini pour toi, Ninjaka. Rends-nous cette épée. Tu rêves, Sakapus. Elle est à moi et vous n'avez aucune chance de la récupérer, les pyjaminus. N'essaye même pas de dégainer ton épée, Ninjaka. Il n'y a que Maître Fang qui peut faire ça. Non, reste calme, Yo-Yo. Hé, les ninjasois, pourquoi vous n'avez pas le droit de jouer avec l'épée? Peut-être que vous n'êtes pas assez bien et qu'elle est trop belle pour vous, pas vrai, Ninjaka? Quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste que je sais mieux m'en servir que vous. Non, arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Laissez-moi! Mon épée! Arrête de la filmer! C'est moi la star de l'émission. Que je prenne ta reptile mobile à la place. Je vais la repeindre en mode ninja tout en noir avec plein d'étoiles. Yo-Yo, Bibou, j'ai besoin de vous. J'arrive tout de suite, Glu-Glu. Na 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 na. Moi. Enfin libre. Hé, hey, Ninjaka. Trois pyjamasques qui se serrent les coudes valent mieux que tous tes ninjas soient réunis. Pyjamasques, à l'attaque. Yo-Yo, rapido! Tu crois que tu peux me faire peur, tes deux têtards? Attends un peu que je comprenne à quoi servent tous ces boutons. Comment ça marche, machin chose? Est-ce que c'est comme ça, garder votre stupide bus et votre reptile mobile? Mais vous ne m'aurez pas si facilement la prochaine fois, les pyjamas! Bien sûr qu'on t'aura, parce que tant que les pyjamas compteront les uns sur les autres et resteront soudés, personne ne pourra les arrêter. Et vous allez pouvoir m'aider pour une dernière petite chose? Attends-nous! Repeindre ce bus, lui changer ses roues et le rééquiper comme il était. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Cherchez. Mais je me demande comment on va trouver un véhicule invisible. Facile! Glu-glu reptilo camouflage! Si vous voyez un œuf qui flotte dans les airs, ça veut dire qu'il est collé à quelque chose d'invisible. Et devinez qui a bombardé la reptilo mobile? Roméo! Compris! À la chasse à l'œuf flottant! Hibou Vision! Trouvé! Burk, c'est devenu la reptilo mobile! Oui, mais c'est toute la ville qui va devenir répugnante si Roméo jette cet œuf de dinosaure. Ok, les pyjamasques, il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant qu'on a retrouvé la reptile mobile, on va montrer à Roméo ce qu'on sait faire. Je veux que cet œuf soit le plus pourri possible pour qu'il soit l'œuf le plus puant de tous les temps. Il est presque prêt. Vous ne m'arrêterez pas, les pyjaminus! La catastrophe vous pendez! Reptilo mobile, mode éjection prédateur! C'est bon, je l'ai! Oups, je l'avais! Vraiment pas de chance, les pyjanouilles! Bien essayé, les pyjas qui puent! Mais voici un bel œuf sur la place! Glu-glu, il faut pas que l'œuf se casse! J'ai une idée! Reptilo mobile, jet d'eau! T'assures, Glu-glu! Non! Il faut que je casse cet œuf!
ce super éternuement. Il était vraiment très puissant. Glu-glu, maigre muscle. Regarde le lampadaire, il est tout tordu. Attention, restons sur nos gardes. Il y a peut-être un méchant dans le coin. Je suis venue vous prévenir quand j'ai vu Sorceline qui se dirigeait vers notre école. Pourquoi tu n'as pas utilisé le pigea émetteur? Eh bien, je me suis dit que vous auriez besoin d'aide. Tu n'arriveras jamais à te débarrasser de ce rhume si tu ne restes pas au chaud. Oui, je... Oui, je sais, c'est bon, je rentre. Très bien, de notre côté, on va à l'école. Préviens-nous si tu vois quelque chose. Qu'il manigance. Oui, voilà une bien meilleure idée. Je ne dois surtout pas le perdre de vue. Il va m'amener directement à Sorceline. Tu ne m'échapperas pas, Papy Nui. Offrez à cette servette de moineau un accueil en fanfare que ses oreilles ne sont pas prêtes d'oublier. Notre base a tout ce qu'il faut pour arrêter Ninjaka. Les amis, venez, on n'a qu'à utiliser nos véhicules pour détruire sa citadelle. On pourrait. Ou alors, on utilise un nouveau système sonore à la place. Mais Bibou, réfléchis. C'est pas parce qu'il en a un qu'il t'en faut un, à toi aussi. Oh, chabolide! Alors, les pyjaminus, quand allez-vous avouer que ma citadelle est un chef-d'œuvre? Allez-y, dites-le. Jamais! On va récupérer ce que tu as volé! Yo-yo, je vais percuter la tour avec ma queue de lézard pour la faire tomber et libérer les bus. Super idée, Glu-Glu. Et je vais faire attention qu'il ne s'abîme pas en tombant. Oh oh, on dirait qu'une averse d'étoiles collantes se prépare. Lancez d'étoiles collantes, feu à volonté. Tiens, écoute un peu ça, Ninjaka. Tu vas rugir de plaisir. Mode éjection prédateur. Je vais pas pouvoir tenir prêt. Glu-glu méga giga muscle. Bibou tornado. Regarde, Ninjaka, ta statue est réparée. Ce serait dommage de la détruire du coup. Ma belle œuvre d'art. Elle est à nouveau en un seul morceau. Par mes écailles, j'en peux plus, c'était moins une. Tu l'as dit, tête de tétard. Ma statue a été sauvée de justesse. Maintenant, retour au point de départ, à mon plan. Voler toutes les œuvres du musée et me débarrasser des horreurs. Non, trop tard, Ninjaka. Ton plan tombe à l'eau. Et oui, tout est sorti du musée et mis en lieu sûr. Quoi? Alors je vais devoir passer toute la nuit à essayer de les retrouver? Tout ce temps perdu pour quelques dessins de gamins. Tu ne pourrais pas simplement profiter de ta belle statue? C'est vrai que si je la ramène chez moi, je pourrais m'admirer en permanence. Le rêve absolu.
Je pourrais me regarder 24 heures sur 24. Bien, on l'emporte, les ninjas zouaves. Je m'en vais, mais vous ne perdez rien pour attendre. Je suis le plus grand artiste de tous les temps. Ne l'oubliez jamais. Disons plutôt le plus grand méchant artiste ninja de tous les temps. Joli travail, Bibou. Bravo. Tu as réussi à recoller les morceaux en recollant les morceaux de sa statue. Dommage que personne ne puisse admirer son travail. Je dois avouer qu'il a du talent. C'est vrai, je suis d'accord. Mais moi, je suis impatient de voir le travail de nos camarades. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les dragas! Quel travail magnifique, les enfants! Toutes vos œuvres d'art ont miraculeusement réapparu. Nous avons eu beaucoup de chance. Ta statue, c'est vraiment le clou du spectacle, Amaya. J'en reviens pas, elle est comme neuve. Je devrais remercier Ninjaka. Il me restait de ses étoiles collantes. J'ai pu tout rafistoler avec et voilà le travail. Tu t'en es très bien sortie, Amaya. Je suis content que tu aies pu réparer ta statue. Oh, j'ai l'impression que c'est collé. Il faut croire que la colle n'avait pas encore séché. La nuit, on est d'accord. Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière. Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou, elle pourrait peut-être même rapetisser. Attends, pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié? Bibou, mais t'as même pas réussi à creuser. Avec la pelle, c'est vrai, mais je n'ai pas essayé avec les serres de l'astro-hibou. Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes. Je vais pas lui faire de fleurs à Sorceline. Je vais l'embobiner, ce crâne de Piaf. C'est le cas de le dire. Oh! Je suis coincée! Encore! Oh, quel dommage! Non, d'un hibou déplumé! Je te tiens! Glu glu, méga muscle! Hey! Laisse mon ami tranquille, Sorceline! Dans tes rêves, cuisse de grenouille. Le feu, attention! Ça y est! Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo. Yo-yo, rapido! Oh, vous me faites perdre du temps. J'ai toute une ville à ralentir, moi. Ah, tiens, voilà. Et
Enfin, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer. Yo-yo acrobation! Mais je ne me suis pas laissé distraire cette fois. J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps.